Titanic. La musique, quasi proscrite dans les anciennes civilisations islamiques où elle n'avait pas de justification d'ordre religieux et particulièrement liturgique, s'est tout de même épanouie en Perse, où elle a d'antiques origines bien antérieures à la venue de l'islam, que ce soit dans l'empire achéménide ou à l'époque sassanide. À l'ère musulmane, puisqu'elle était proscrite à la mosquée, la musique s'est perpétuée à usage séculier et laïque dans l'entourage des princes. D'autre part, aux limites incertaines de l'orthodoxie religieuse et du mysticisme ésotérique, elle fut encouragée par les derviches, souvent tout à la fois mystiques, poètes et musiciens, qui se regroupaient en sectes auxquelles on donne trop hâtivement en Occident le nom générique de soufisme. Pour eux, la fonction première de la musique était de déployer plus largement le poème par le chant, d'en diffracter et d'en faire vibrer à l'infini les virtualités lyriques grâce aux ornements vocaux et instrumentaux qui sont consubstantiels à la musique persane. Tant il est vrai, comme l'écrit Darius Savvat citant un proverbe indien, qu'une note sans ornement est comme une nuit sans lune, une fleur sans parfum, une femme aimée sans bijoux. L'orchestre qui entoure Reza Rasavi Sarvestani est réduit. Tout au long de son radif, de son chant, il va dialoguer avec Jalal Solfounoun, virtuose inspiré du setar, et avec Mohammad Moussavi, maître du ney, littéralement le roseau. C'est Morteza Ayan, enfin, qui joue du tombak ou zarb, le tambour persan. Hilat raha kon ashqa divan sho Après avoir chanté les premiers vers de Divan et Chaud,
sans trop encore en déformer la prosodie. Le maître Razavi va maintenant faire éclater le poème, l'atomiser en quelque sorte, pour élever la mélodie, comme on dit en persan, en un magnifique crescendo d'ornements vocaux ou tahrir, avant de terminer piano pianissimo. General.